Tout a commencé par le Diocesan Youth Committee, ce qu'on a longtemps appelé le DYC. Ce comité a été lancé le 15 octobre 1995 durant l'épiscopat de l'évêque Rex de Nantes. Sous l'égide du révérend James Wong, une équipe de jeunes membres de différentes paroisses avait pour objectif de former une structure dans le but de réunir les jeunes du diocèse afin de mieux comprendre la parole de Dieu. De 1995 à 2006, le DYC a organisé diverses activités. Études bibliques, concerts spirituels, festivals de louanges et adoration, activités sportives entre autres. À travers ces activités, le DYC a accompagné les jeunes pour les encourager à développer leurs talents et les utiliser pour servir le Seigneur. En 2007, un nouveau plan stratégique pour une nouvelle structure et une vision est mis en place par un groupe de jeunes. En 2009, le comité passe par un rebranding. Le DYC devient JAM, Jeunesse Anglicane Mauricienne, puis devient le AYM, Anglican Youth Ministry. Le samedi 11 juillet 2009, le AYM est officiellement lancé. Le AYM décide de maintenir la vision et la mission établie en 2007 tout en donnant une nouvelle orientation à travers un nouvel objectif. Cet objectif se porte sur trois axes. La croissance spirituelle, la croissance relationnelle et la croissance sociale. Depuis 2009, le AYM accompagne la jeunesse anglicane de Maurice à travers de multiples initiatives, activités et événements. Le AYM continue sa mission d'accompagner, de développer et de dynamiser le ministère des jeunes. Une jeunesse active, équipée et centrée sur la parole pour la gloire de Dieu.